Monsieur Topin, vous présentez Rennes Artiste dans le quintet de jeudi à Deauville. Rennes Artiste reste sur une deuxième place à Maison Lafitte. Vous avez dû croire pour la victoire la dernière fois. Bah écoutez, ceux qui connaissent les courses, ils savent très bien que la jument aura dû gagner facilement. Elle est battue à cause de la cavalière et c'est tout, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout à fait, c'est Il vrai aurait dû que. avoir loin à l'arrivée et elle est battue parce que voilà, c'est Oui. pas, elle a démarré un peu tôt et un peu beaucoup trop tôt même. Là, je m'en suis relâché pour finir. Je pense que la cavalière pense avoir gagné. Mais elle est Tout à battue fait. parce que c'est une cavalière française qui connaissait bien son cheval, qui connaît bien les courses, comment ça se passe chez nous, et elle a gagné grâce à ça. Sinon, je pense qu'il y aurait au moins 10 longueurs à l'arrivée. Bon, c'est comme ça, c'est les courses, hein, après quoi. C'est des courses, en effet. Cela dit, donc la forme est là, hein. La jument revient bien. Ouais, je m'en mis un peu de temps à se remettre en route, c'était pas forcément super bien. Le joueur l'a prouvé que la piste était bonne, qu'il était compétitif encore. La jument, le matin, elle a l'air super bien. Le déménagement, elle l'a bien pris. Y a pas grand-chose contre elle pour jeudi. Elle s'est bien adaptée aux pistes de trajet? Bah ouais, c'est une jument qui est pas facile le matin c'était un peu compliqué la première journée. Et puis là, elle s'est vraiment bien adaptée. La jument, elle est bien. Elle est belle. En condition, elle a l'air vraiment pas mal. Les 3004, je suis pratiquement sûr que ça va pas être un souci.